D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le jeu de Supercell. Donc là, on a le Twitter du nouveau jeu. Donc c'est un nouveau jeu fait par Supercell. Ils l'ont dit sur leur page Twitter, donc on a pu le savoir. Du coup, on va voir un petit peu, je vais vous montrer un petit peu, ce que va être le jeu, ce que ça donne, etc. Donc on va aller dans Google Traduction pour traduire un petit peu ce qu'ils nous disent. Donc là, en anglais c'est bon. Donc là déjà c'est leur Twitter. Donc ça s'appelle Brawl Stars. Donc on verra ce que ça donne, au niveau du jeu. Mais ça ressemble, donc ils ont dit que c'est un 3v3. Attendez, je vais mettre la traduction de ce qu'ils ont dit. Donc on va aller sur YouTube, la vidéo, il y a un live. En fait il y a un live à 18h. Et je pense que vous verrez le live peut-être avant. Non, c'est à 19h, pardon. Ah non, c'est encore 48 minutes, c'est à 18h. Et donc ouais, vous verrez peut-être le live avant, la vidéo. Mais du coup, ici en bas en description, il y a toutes les infos. Donc je vous mets ça, comme ça vous pourrez lire en même temps que je parle. Voilà, juste ici. Vous avez toutes les caractéristiques un petit peu du jeu. Tout ce qu'il y a au niveau du jeu. Donc voilà, je vous laisse lire un petit peu. Mais en gros, ça ressemblerait plus à une sorte de 3v3 où il y aurait plusieurs petits jeux. Après j'aurais au début je pensais à un genre un petit peu un 3v3, un MOBA, c'est-à-dire un jeu par exemple comme League of Legends sur PC mais sur mobile. Je pensais plus à ça au début, mais en fait comme vous voyez il y a plein de petits jeux. Là on peut lire Bounty, je sais pas ce que c'est, Smash and Grab, Haste et Showdown. Donc voilà, a priori d'après ce que je comprends, il y aurait donc plein de petits jeux en fait, et ce serait des jeux par équipe. On serait dans 3 contre 3 à chaque fois, je pense. C'est ce que j'avais vu, je crois. Et donc voilà, on serait 3 contre 3 avec plein de petits jeux, donc avec des adversaires aléatoires, etc. Et bien sûr, hein, comme vous le savez, il y aura des choses payantes dans le jeu. Alors attendez, c'est écrit où? Je sais plus où. Ah, c'est écrit ici, voilà, qu'il y aura des choses payantes. A priori, il y aura des skins, donc c'est-à-dire pour les personnages, il y aura des pots qu'on pourra choisir en quelque sorte. Il y aura ça. Donc ça voilà, les caractéristiques. 3v3 en temps réel avec d'autres joueurs. Débloquer des nouveaux brawlers, ça je pense que c'est des personnages puissants. Donc voilà, chacun une attaque spécifique et une capacité super. Donc en gros c'est comme une troupe sur Clash Royale, on va dire. Donc il y a 4 modes de jeu uniques. Il y a des batailles en solo ou avec des amis, je pense avec des amis ça sera sur Facebook. À moins qu'on pourra peut-être ajouter des amis directement sur le jeu, c'est possible aussi. On pourra, donc il y aura un classement, hein, bien sûr, ça c'est logique. Classement au niveau international et classement au niveau national, donc la France. Qu'est-ce qu'il y aura de plus? On pourra les améliorer, donc ça sera comme, ouais, en gros, pour améliorer les cartes, pour qu'ils soient plus puissants. On pourra également les personnaliser. Donc je pense qu'on pourra les améliorer avec l'or. On pourra les personnaliser avec l'or aussi, mais ça va coûter plus cher. Ou peut-être avec une autre monnaie, peut-être que ça sera pas de l'or, ça sera autre chose. Donc du coup ça sera... il y a de fortes chances que ce soit payant au début. Que pas mal de choses soient payantes au début pour monter facilement. Donc a priori il y a de l'élixir, il y a de l'or, il y a des pièces, il y a des chips. C'est quoi des chips? Enfin c'est pas comme ça en anglais, mais... Je sais pas ce que c'est exactement. Attends, on va voir vite fait. Est-ce que ça marche si on met ça? Ouais, je sais pas. Bref. Du coup voilà. Un nouveau jeu de Supercell, donc ça fait plaisir. Après on verra ce que ça donne. Moi je dis pourquoi pas, pour mieux voir ce que ça va donner. Donc là, comme vous voyez, à 18h, il y aura le live. Si j'arrive à sortir la vidéo avant ou pendant le live, je vous mettrai sûrement le lien du live en description. Il faudra me le faire penser s'il n'y est pas. Mais de toute façon, vous mettez Brawl Stars sur YouTube et vous allez trouver facilement. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous dire qu'il y a un nouveau jeu Supercell. Donc je sais qu'il y a des jeux Supercell qui ont... Attendez, on va mettre nouveau jeu Supercell. Je sais qu'il y avait d'autres jeux Supercell à part Hayday, Clash Royale et Clash of Clans qui ont pas trop bien marché. Je sais pas si on va les retrouver ici. Mais je me rappelle qu'il y avait un jeu de Supercell, voilà, c'est ici là, Smash Land, qui avait pas très bien marché. Donc on va voir. Mais bon, après avec Clash Royale, c'est vrai que Clash Royale est quand même vraiment beaucoup joué. Donc normalement je pense que ils ont pris du temps pour refaire un bon jeu. On verra. Après, je pense que ça devrait marcher. En plus, non, c'est pas ici. Ça, c'est la prochaine vidéo. Mais que je dois regarder. Mais bon, bref. Mais donc, en gros, il y a de la. Il y a presque 3000 personnes, presque. Et je pense que pendant le live, on sera. Ouais, au moins 5000.
Donc je pense que, à moins que ce soit vraiment très très nul, il y a moyen que ce soit quand même un très très bon jeu. Normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, il y a déjà 25 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Normalement, on est sur quelque chose de très bien. Donc voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre les nouveautés, à liker la vidéo et à partager cette vidéo pour informer tous vos amis de ce nouveau jeu. En tout cas, ça a l'air plutôt cool. Donc là, vous voyez, il y a des personnages à droite et à gauche. Ça, c'est sûrement les premiers personnages qu'on aura dès le lancement du jeu. Donc le jeu va d'abord arriver, bien sûr, sur iOS, mais au Canada, puis après sur iOS ensuite, puis un mois après, je pense, ou deux mois après, sur Android. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, commenter, de partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.